Donc, on va continuer, comme je vous l'avais dit, par rapport à savoir à quel moment a commencé cet effet de Guioula, puisqu'il va être, il est très lent. Alors, sachez que déjà, quand cette Shoah terrible, où il y a eu malheureusement, qui a duré 6 ans, qui était de six, qui a pris 6 millions de nos frères, les Béné Israël, est un épisode où il nous manquait un Mordechai pour l'éviter. On a pas eu cette chance. Cet épisode s'appelle chez les Mekoubalim la Nesira. La Nesira veut dire lorsque deux personnes sont collées dos à dos, il faut faire une intervention chirurgicale pour couper, séparer, et que d'un côté c'est le masculin l'homme et de l'autre côté la femme pour que la femme vienne devant l'homme. C'est un sujet très profond en Kabbalah. Je ne peux pas maintenant vous faire un cours pour l'expliquer, ça prendrait des heures et je ne sais pas si on arriverait à le comprendre pour ceux qui n'ont aucune notion dans ce que s'appelle la Kabbalah. En tous les cas, cet événement, cet épisode qu'on appelle la Nesira, qui est un moment qui est très difficile, puisqu'à ce moment-là, le monde est géré, la lumière insoufite, sans fin passe par ce qu'on appelle la Malchoute, par le Din. C'est ce qui s'est passé, et que le côté masculin, qui est la rachamim, la miséricorde, est endormi. Et d'ailleurs, il y a une allusion à cela dans la fin de Devarim, quand il est dit « Vani aster aster panay mehem ». Et il s'est passé le même événement à une plus petite échelle au moment de Haman, puisqu'il était à la fin des 70 ans d'exil et qu'il fallait qu'il retourne en Eretz Israël. Donc à chaque fois qu'il doit avoir une délivrance, il y a cette période qui précède, qui s'appelle la Nesira. Et c'est pas sans raison qu'il est dit dans le Midrash que lorsque Haman a dit Yeshno Amechad, il y a un peuple, Mefuza Omfurad, il n'a pas dit Yesh Amechad, il a dit le mot Yeshno. Yeshno est un terme qu'en hébreu ne se comprend pas. Et les Chazal, nos sages, nous disent qu'il a fait une allusion Yashen Hu Eloah Shelele. Leur Dieu est en train de dormir. Ça veut dire que malheureusement, Haman, qui était un très très grand sorcier, et un grand astrologue qui savait de tout ce qui se passait un peu là-haut, savait que c'était une période propice où justement il allait avoir cette Nessira pour qu'il reparte en Eretz Israël. Et donc c'est un moment propice où les ennemis pourraient faire du mal. Donc cette période, malheureusement, cette fois on l'a passée. Et c'était la période de ce bloc de 6000 ans masculin-féminin qui se séparait pour que le féminin vienne devant. Et le féminin, quand il vient devant, sa reconstruction face à face, c'est la terre d'Eretz Israël s'appelle la Shekhina, c'est le côté féminin qu'on construit en venant en Eretz Israël. Maintenant, pourquoi l'État d'Israël a été créé en 5708? Je vais vous le montrer tout de suite pourquoi. Et je voudrais juste d'abord vous dire également que Rabbi Yehuda Ftaya, ami et élève du Ben Ishraï, grand, grand, grand Mekoubal, très connu de tout ce qu'il a fait, il a été plus que très spécial, à tel point que Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, a dit un jour dans ses cours que le jour où est décédé Rabbi Yehuda Ftaya, lui il était tout jeune quand il est décédé, mais il se rappelait, il a dit Batla Kabbalah Maasit, la Kabbalah qui peut agir n'existe plus, parce qu'il a fait des prouesses et des prouesses, des choses inimaginables et extraordinaires. Et lui écrit dans son commentaire sur le Etz Chaim, qui est un texte du Harizal, il explique, il prouve dans les termes du Harizal, d'ailleurs ce qu'il dit est marqué aussi par ailleurs, mais il le dit, que les étapes de manière suivante. D'abord, la terre d'Eretz Israël revient sous la souveraineté du peuple d'Israël. C'est la première étape. Et c'est ce qui s'est passé en 5708. Maintenant, je vais vous montrer que cette étape-là, où c'est qu'il y en a une allusion, je vais vous reciter un texte que je vous ai dit oralement, mais là, je vais vous le lire à l'intérieur, que le Shulchan Aruch ramène, et l'origine de ce texte du Shulchan Aruch, très intéressant, vient du livre de Marzor Vitri de Rashi. C'est là-bas que je ne sais pas d'où Rashi l'a pris, certainement qu'il avait un midrash ou un texte, mais en tous les cas, le Shulchan Aruch le ramène, et dans quel endroit? Alors, si vous avez le Mishnah Brura, c'est dans le volume numéro Dalet, dans le Dalet du Mishnah Brura. Siman, dans le Shulchan Aruch, Tav Kafhet 428. Et quel siman dans le 428? Le guimel. Donc 428 guimel.
où le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Siman l'igvi'at ha-mo'adim. Si tu veux un signe pour savoir dans quel jour de la semaine vont tomber les fêtes. Et là, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, il prend la première avec la dernière lettre, la deuxième avec l'avant-dernière. Donc il dit At Aleftav, Bash Betchin, Gar Gimel Resh, Dalet Kuf, Dak, Hatz, Hetzadi, Vav Pe. Pirush, il explique. Beyom Rishon Shel Pesach Yel Olam Tisha Be'av. C'est-à-dire que cette année, par exemple, Pesach tombe jeudi, alors si on n'a pas la Geoula jusqu'en Av, donc Tisha B'Av va tomber aussi un jeudi. Et il continue le Shulchan Aruch et le dit Vesiman, et le Siman de cela, Al Matzot Omurim Yochluhu. Ça veut dire le Korban Pesach, les nœuds pascal devaient être mangés avec des Matzot. Merourim, c'est le marron, mais c'est l'amertume. Alors il dit attention, c'est une délivrance dans laquelle il y a une amertume. C'est-à-dire pourquoi ? Étant donné que le peuple d'Israël en Égypte est sorti par la précipitation, ils n'ont donc pas fini ce qu'il fallait faire dans ce galout. C'est ça qui a provoqué que nous repartions en galout. C'est pour ça que le signe du Korban Chagiga est à neuf. Parce que, et c'est donc parce qu'ils sont sortis de manière précipitée, Behipazon. Et c'est pour ça que Hachem nous dit que la dernière Gioula ne sera pas Behipazon. Elle va être lente. Donc, il commence à nous donner le signe. Le deuxième signe, c'est Beth, le deuxième jour. Donc, c'est Bash, ça va être Shavuot. Donc, Alev, premier jour, Tav, Tisha, Be'av, Beth. Deuxième jour, Shavuot. Cette année, deuxième jour de Pessah, c'est un vendredi. Shavuot sera un vendredi. Bayom Ashlishi, le troisième jour, c'est Gar. C'est Gar, Gimel, le troisième jour, c'est un Shabbat. Rosh Hashanah va tomber, premier jour de Rosh Hashanah, un Shabbat. Ensuite, Biyom Dalet, Bokrata Torah, ça veut dire que le quatrième jour dimanche, il s'agit de Simchat Torah. Et ensuite, donc ce sera un dimanche. Et ensuite, le cinquième jour, donc c'est un lundi, ça sera Yom Kippour. Et donc, ensuite, le sixième jour, le Purim qui est passé. Et là, le Shulchan Aruch s'arrête uniquement au sixième jour de Pessah. Le septième jour de Pessah n'est pas mentionné. Et il y a des années, je ne sais plus de qui je l'avais entendu, qui ont trouvé un siman très intéressant. Ça a été le sixième jour de Pessah, le septième jour pardon, de Pessah, qui seraient les lettres de l'alphabet, Za, Zain et Aïn. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, donc, cette année, le septième jour de Pessah, c'est un mardi. Le septième jour de Pessah, jeudi c'était le premier jour, vendredi le deuxième, Shabbat le troisième, dimanche le quatrième, lundi le cinquième, mardi le sixième, mercredi. Alors sachez que le He Iyar, le 5 Iyar, qui est le jour de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël, qu'on appelle Yom Ha'atzmaout, correspond toujours au septième jour de Pessah. Zayin, Aïn, septième jour, Atzmaout. Alors sachez qu'effectivement, ce jour-là, comme je vous l'avais dit au nom de Rabbi Daftaya, a commencé la première étape de la Géoula. Actuellement, il y a 72 ans, a été créé Baruch Hashem, l'État d'Israël. Après, ça s'est passé par étapes. En 67, la partie d'Eretz Israël qu'on n'avait pas encore eue nous est revenue. Et d'ailleurs, à ce sujet, sachez que le Vatican a eu beaucoup de mal à accepter tout cela pour la simple raison que dans leurs écrits, on avait été en exil parce qu'on n'avait pas voulu accepter leur idéologie, leur croyance à eux. Et lorsque l'État d'Israël a été créé, qu'ils ont eu du mal à l'admettre, ils ont dit « Oui, mais Israël, c'est Jérusalem, Jérusalem n'est pas entre leurs mains. » Et quand finalement, en 67, Jérusalem est entre nos mains, ils n'avaient plus rien à dire, ils avaient beaucoup de mal à l'admettre. Mais on le voit, Baruch Hashem, le peuple d'Israël s'étend partout en Eretz Israël. Et donc, en fait, c'est encore une étape dans la Géoula. Actuellement, il se passe, c'est sûr, un événement qui est pas quelconque. Le problème qu'on doit savoir,
puisqu'on nous a dit que les choses ne se feront pas de manière précipitée et que ça va être lent, il faut qu'on se dépêche de faire teshuva parce que on ne sait pas combien de temps ça va être. Est-ce que ça va être que cette... En Égypte, il y a eu 10 makot, il y a eu 10, les 10 plaies. Est-ce qu'on va avoir que cette plaie, une plaie seulement? Est-ce qu'il y en aura plus? Il y en aura une autre? Ou celle-là va durer longtemps? On ne sait pas. Les 10 plaies en Égypte ont duré un an. Donc, on ne sait pas ce que Hachem veut faire. Aujourd'hui, ce qu'on doit tous unir nos prières pour que l'hécatombe s'arrête. Tous les jours, avec beaucoup de tristesse, on entend dans le monde entier, surtout aux États-Unis, à New York, où les que Hachem Ishmor, je viens encore ce matin d'avoir un article où le responsable de la Hevra Kadisha a dit, on dirait que l'ange de la mort a reçu le feu vert. Parce que malheureusement, ils sont en train d'enterrer de manière beaucoup de toutes sortes de Béné Israël. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Donc déjà, avant tout, nos prières, c'est que ça s'arrête, cette hécatombe. Mais une chose, ne pensez pas que c'est au cous pour cous, que ça vienne d'une manière subitement comme ça. Je vous l'ai lu dans Yeshaya, que la Géoula Shlema va se faire en étapes. Et je le répète. Et c'est ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. Le Baal Shem Tov l'a dit. Il a dit qu'il y a eu des tzadikim qui ont voulu faire venir la Géoula de tout de suite, à son époque déjà, ils ont été punis. Il dit, c'est avec Hachem, Akadosh Baruch, fait exprès les choses lentement pour donner la possibilité à un maximum de Béné Israël de faire tshuva. Parce qu'après, ce sera trop tard, il y en a qui seront complètement éjectés et qui vont tout perdre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passera d'eux. Est-ce qu'ils iront faire un tour dans les prochaines 5000, 7000 ans, je ne sais pas, ou ce qu'ils auront à faire, mais il y en a qui vont tout rater. Et Hachem ne veut pas que il rate tout, et c'est pour ça qu'il s'est passé des choses dans l'histoire, que ceux qui ont voulu faire venir à la Géoula, ça s'est toujours très mal fini. Deux exemples, celui qui s'est passé à l'époque du José de Lublin, avec le Maguide de Koujnitz, le Rabbi Menachem Mendel Mereminov, en 5576, qui sont les lettres Tikrou, qui veut dire sonner. Donc c'était Tikrou Bachodesh, ça veut dire Tikrou Bachofar. Et ils étaient sûrs qu'il ferait venir la Géoula. Ils se sont réunis et ils ont décidé d'avoir une certaine des Kavanot. Et dès qu'ils ont commencé à agir, le premier qui est parti, c'était le Maguide de Koujnitz, juste après Rosh Hashanah, juste après Kippour, à Sukkot déjà. Et on ne l'a pas dit au José de Lublin. On ne lui a pas dit que le Maguide de Koujnitz est décédé. Il ne le savait pas. Et lui a continué ses kavanot pour faire venir la Géoula. Et il s'est passé un événement que le jour de Simchat Torah, tout d'un coup, il est sorti de son Beit HaMidrash, de sa synagogue, et rentré chez lui. Et il a dit à sa femme, ne me laisse pas seul. Elle était avec lui dans la chambre. Quand subitement, son petit-fils, un des petits-enfants a pleuré, elle est partie. Qu'elle revient, elle ne le voit pas. Et elle voit la fenêtre ouverte. Elle court au Beit HaMidrash le dire aux élèves. On se met à le chercher. On le trouve à presque un kilomètre, allongé par terre. Il leur a dit, l'ange de la mort est venu, l'a jeté par la fenêtre. Et il est resté en vie, mais pas longtemps. Et à ce moment-là, il a su par le ciel que le Maguide de Koujnitz était mort. Il a dit, pourquoi vous ne me l'aviez pas dit, je me serais arrêté. Malheureusement, la même année, le mois de Av, il est parti de ce monde. Et le troisième aussi, sont partis, les trois sont partis. Ça, c'est en Europe. Ils ont voulu faire venir la Géoula. Un événement semblable s'est passé à l'époque du Rachash, Rabbi Shalom Sharavi en Eretz Israël, avec Rabbi Haïm de la Rosa et le Hida. À eux trois, ils ont voulu commencer à faire quelque chose pour faire venir la Géoula. Une voix du ciel est sortie, leur a dit, pourquoi vous pressez les choses? Il faut qu'il y en ait un de vous qui aille en exil. Et c'est pour ça que le Hida a décidé d'aller en exil. Et d'ailleurs, lorsqu'il est en Italie, qu'il apprend le décès de sa femme, il était en Tunis, qu'il a appris le décès de sa femme. Et ensuite, quand il se remarie en Italie, il écrit, avec l'espoir qu'on me donnera l'autorisation de retourner en Eretz Israël, soit ce qu'il n'a jamais eu. Il a été, après sa mort, des années après, le Ramon de Chélio a emmené ses ossements en Eretz Israël, mais il n'est jamais revenu. Ce que je veux tout simplement dire,
C'est qu'il c'est vrai, on est en train de passer un moment très pénible et très dur dont on ne sait pas quel sera l'avenir. Mais Hachem le fait exprès lentement. Et j'ai entendu au nom de je ne sais plus quel rave qui a dit, c'est comme un rideau qui est en train de descendre, et il y a quelqu'un qui le retient pour qu'il y ait encore des gens qui puissent passer avant que le rideau tombe complètement. Donc il faut se dire une chose. À tout instant, même à cette seconde où je vous parle, on espère la Géoula. Mais on doit être conscient que cette Géoula va être lente. Que d'après ce qu'on a vu, et donc il faut ne pas être déçu si à Pessah on ne l'a pas encore eu. On n'est pas loin. Combien de temps ça prendra, on ne le sait pas. On va tous faire Teshuvah pour que ça se termine sans plus de malheur et de douleur et que enfin la Géoula arrive. Mais c'est important que je vous donne les textes et que je vous montre, parce qu'il y a trop de choses qui circulent, il y a trop de faux prophètes qui sont sûrs, qui commencent à donner des affirmations, et ils n'ont aucune base. Et juste, si c'est pour, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi pour soi-disant remonter le moral au public. Ce n'est pas en racontant n'importe quoi qu'on va remonter le moral. Au contraire, je pense qu'il faut dire ce qui est marqué dans les textes. Chacun va réfléchir et penser et comprendre qu'il n'y ait aucune déception, chas v'shalom. Mais une chose est sûre que je peux vous dire, que vous allez vous-même remarquer. Cet événement actuel est en train de faire, sur le côté privé de chacun, beaucoup de choses. D'abord, un grand nombre de nos ennemis sont en train de détruire et ne pensent plus à nous détruire. Et c'est en train de continuer. Hachem fait des comptes qu'on ne connaît pas, où il est en train de frapper des nations qui apparemment ne sont pas en guerre avec nous, mais peut-être que les gens qui sont frappés sont les réincarnations, le Gilgoul, de des générations terribles qui nous ont fait beaucoup souffrir. Mais ce qu'on doit faire, c'est demander à Kadosh Baruch Hu de protéger son peuple. Et une chose, je voudrais rappeler au public, ce qui est marqué dans le Midrash Tanhuma, qui c'est les personnes qui sont mortes dans les ténèbres en Égypte, c'était tous ceux qui, pendant l'année où les plaies sont arrivées, donc ils n'étaient plus assujettis aux Égyptiens, étaient devenus amis des Égyptiens, et donc ils n'avaient plus envie de sortir, ils voulaient rester en Égypte. Malheureusement, c'est eux qui sont morts dans les ténèbres. Et justement, pour pas qu'il y en ait d'autres qui aient envie de rester, parce qu'ils avaient commencé à semer, quand Hachem envoyait les sauterelles, elles ont mangé même ce qu'il y avait dans les sillons, pour lui plus donner d'espoir qu'ils voient pousser ce qu'ils avaient semé, pour qu'ils n'aient plus cette envie de rester. Maintenant, nous tous souhaitons être unis à cela. Votre désir doit être que dès que ça sera possible, pour tout ce qui sera possible, de tout faire pour venir en Eretz Israël, pour qu'on soit tous là pour recevoir le Mashiach. Amen, ve Amen.